n'est pas couché, bip échange entre Muriel Robin et Charles Consigny sur l'Agba. Paris Match, publié le 22 octobre 2018 à 8h46, barre verticale mis à jour le 22 octobre 2018 à 8h51. La rédaction Point le ton est monté entre Muriel Robin et Charles Consigny samedi sur le plateau d'On n'est pas couché. L'humoriste reprochant notamment au polémiste son arrogance dans la manière dont il s'adressait à Marc-Olivier Fogiel. Point encore un nouveau face-à-face tendu sur le plateau d'On n'est pas couché. Celui qui a opposé Charles Consigny à Muriel Robin. Samedi, Laurent Ruquier recevait Marc-Olivier Fogiel pour la sortie de son livre « Qu'est-ce qu'est la ma famille ?», un récit intime où il aborde notamment la naissance de ses filles par le pas, gestation pour autrui. Un sujet de société sur lequel l'animateur a échangé avec Charles Consigny qui estime que la VEPA relève des violences faites aux femmes. Muriel Robin est d'abord intervenue pour féliciter le courage de Marc-Olivier Fogiel qui a osé parler de cette pratique dans son livre, avant d'être interrompu par Charles Consigny. L'intervention de ce dernier n'a pas du tout plu à la comédienne. Elle a alors signalé au jeune auteur que la manière dont il s'adressait à Marc-Olivier Fogiel lui déplaisait fortement. Il, Marc-Olivier Fogiel, est allé sur le terrain, il en sait plus que vous. Qu'est-ce que vous savez du corps d'une femme, si elle s'attache à l'enfant ou pas? Vous en avez rencontré? Non, il est allé sur le terrain. Alors vous ne pouvez pas lui dire on s'en fout de votre cas personnel. Il en sait plus que vous sur le sujet, a-t-elle lancé avant de s'emporter. Vous êtes d'une arrogance. Vous êtes arrogant, monsieur. Vous parlez très mal à des invités. C'est honteux de réagir comme ça, madame, a répondu le chroniqueur avant que Laurent Ruquier n'intervienne pour défendre l'humoriste et demander à son chroniqueur de ne pas couper la parole à son invité. C'est vous qui êtes dans la caricature quand vous faites ça, admettez-le. Vous pouvez laisser parler Muriel Robin. Vous êtes ridicule, madame. Celle-ci a poursuivi en disant qu'elle trouvait grotesque Charles Consigny qui a menacé de quitter le plateau s'il n'arrivait pas à répondre aux attaques de Muriel Robin. J'en peux plus des jeunes arrogants. Vous vous prenez pour qui? J'ai pas envie de vous écouter. Il faut lire ce livre pour ne pas perdre ce que fait ce monsieur, a-t-elle poursuivi, irritant encore plus son interlocuteur. Laurent, je vais m'en aller. C'est scandaleux ce que vous faites, madame. Vous êtes ridicule, madame. Vous avez une réaction de people absolument typique des plateaux de télévision. Vous réagissez à tout par l'émotion. Moi, j'essaye de parler de ces questions sérieusement. De ne pas raisonner avec mon émotion, a-t-il dit avant que Muriel Robin ne l'interrompe dans son explication, vous n'avez pas à avoir un ton cassant. Et votre ton avec moi il est pas cassant? A demandé le successeur de Yann Moi. Je me mets à votre niveau monsieur, a-t-elle rétorqué, mettant fin à ces longues minutes d'échange animés.